À bien. Ne dites pas que tout le monde est encore absent. Oh là là, ils font tous la gueule et donc ce faisant, j'ai... Juste au cas où ils auraient oublié, c'est moi quand même qui les ai sauvés de la mort, dans une tempête de sable, donc déjà, hein, un peu de respect. C'est trop demandé peut-être. Ce que je propose de sauvegarder, c'est qu'il y a une raison. Voyons ce que ça fait avec l'autre. C'est bon, on a gagné des masses de points de vie là maintenant. Ah non, vous allez pas me dire que ça je peux pas l'avoir. Attendez, attendez, attendez. Ah. Ok, donc je peux pas l'avoir. Ah ça par contre. Semble être la suite, donc on va regarder plutôt en bas. J'ai bien fait de venir dans cette zone. On arrive... Non, on n'arrive à rien. Là, arrête de croire en mes rêves imaginaires. Vous voyez, mais j'ai le droit quand même. Oui, bah pas là. Down you go. Voyons ce que ça donne avec elle. Ah oui, une sorte de petit soigne qui attaque en même temps. Ça, c'est bien, ça, comme tu vois.
Ok, c'est spécial quand même. Ah. Quoi? Non mais Emma son garde. Ok, bon, j'ai raté la sauvegarde. Enfin, je l'ai raté. Elle qui m'empêche de venir à elle. Ah non, 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 ouais, ouais, ouais. Oh non, eh oh, je vois le ringcell, alors je prends le ringcell, hein. Ok. Allez, s'il te plaît, je suis juste là. Pourquoi je sens qu'on essaie de m'insulter là? Ah non, évidemment. Alors comment je fais pour passer? Ah bah oui, mais si on me dit pas aussi, moi j'irai pas loin. Oh. J'ai rendu bon. Quoi? Vous pouvez essayer, d'accord? Hey, there's someone over there. They don't look so good. Water, please. Here, child. Let me offer you some water from my hair. Gross. Gross. Thank you so much. I thought I was going to die out here. My throat feels so much better. My hair sustains life. It is far more nourishing than regular water. So gross. Shush, Razmi. What are you doing out in the middle of the desert anyway? I am called Kadira. I was following the Imperialist army of the Iron Kingdom, but I lost them in the sandstorm. Iron Kingdom, huh? They have been a scourge upon my people. Their armies have been taking more and more territory under the guise of protection. My brother was fighting to defend our land, but went missing some months ago. One of our warriors returned with his sword and cape, which I carry now. So you're gonna beat these guys up with your brother's sword? I will not use it until I can return it to him. I can defeat them using my shield alone! Whoa! That's so cool! Where'd you learn to fight with a shield? My grandmother taught me over many years, using a basket as practice. Women among my people aren't allowed to fight, but she trained me in secret since I was a child. Wow, just like me! Kinda. When his sword was returned to us, I hid my face behind this wrap to avoid detection, and left the village. I fear he is dead, but I must find out the truth. I was tracking a troop of Iron Kingdom soldiers when the sandstorm hit. I believe they entered the temple, but as you can see, I didn't quite make it that far. Right. We'll help you. Weren't we heading straight for Marifa? But... More dead weight. Dar! This is the first thing you want to say since Sumeru? Come now. We've gotten into enough trouble already. You rush in to help anyone you see. And you only speak up to add something negative. She wants to avenge her brother. I can relate to that, if you get my meaning. Anyway, children, the only way to Marifa is through the temple, so we may as well let her accompany us. There's strength in numbers. I would welcome her. I want to see under your mask. Is your face all weird? Do you have no lips? Let me see. My lips are perfectly standard, I'll have you know. I'll believe it when I see it. Let's just take a quick peek. No! Fine, fine. Well, come along anyway. Ajna's gonna absorb you no matter what anybody says. Welcome, No Lips.
I have lips. Please stop talking about them. Anyway, we must be wary. People say the temple was suddenly abandoned. Oh, that would explain these markings. It looks like sandworms. Ooh, sandworms. Ajna, can I keep one? Just one little thing for old Razmi? Well, if we have to go through here anyway, no big deal, right? Nice. Yeah, time to find out what a sandworm is. Uh-oh. I stand ready. Eh ben, on en recrute du monde! En sachant en plus que si vous le savez pas, il y a 9 DLC qui vont venir, hein, qui normalement devraient être gratuits. Des DLC qui vont présenter 9 personnages venus de 9 autres licences. Alors, l'une d'entre elles est évidemment Schoolgirls, qui est l'autre jeu de Lab-Zero, hein, vu que pour le moment, Lab-Zero, ils ont que Schoolgirls et Indivisible comme jeu qu'ils ont fait eux-mêmes, donc c'est-à-dire c'est vraiment eux qui ont tout fait, tout ça, etc. Enfin, quelques trucs près, comme par exemple, l'intro, c'est le studio Trigger qui l'a fait, mais voilà quoi, vous avez compris. Mais il y a aussi un personnage de Chanté, demi Genie Hero qui va arriver aussi, et ainsi qu'un personnage de Shovel Knight. Est-ce que ça va être les personnages éponymes de ces jeux? J'en sais rien, mais voilà quoi, c'est... Eh ben, on va te mettre à la place de Zélé, hein, je pense que ça ira. Voilà. Surtout qu'elle faut qu'elle évolue, là, la pauvre, regardez-la, level 2, non, on peut pas la laisser comme ça. Allez hop, on y va. Vois-tu, j'ai pas très envie d'explorer les profondeurs de la Terre pour le moment. Looks like we can't get through this way after all. I'm certain there's a way below. Though it may not be easy. Ah, c'est sûr, je suis sûr qu'on peut voler. Le moment où on aura le pouvoir pour voler, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Whoa, this place is huge. But how do we get out? I've doomed us. Nah, we've been in doomier situations than this. We'll find a way. Bah oui. Bon, par là, il y a la sauvegarde. Et il y a un passage qu'on peut casser en fonçant dans le tas. Bon, je prends ça en note. Et par ici, ça mène à nulle part. Bravo, Valmar. Bravo, 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 bravo. Il y a beaucoup de lieux de sauvegarde quand même, hein.